Ici Capitaine Kourou. Vous venez d'atterrir sur une planète inconnue. Waouh ! Moi aussi, un jour, je serai cosmonaute. Quand je serai grande. Comme Jules. Cherche la télécommande, Alice. Et Jules retrouvera sa taille normale. Et s'il le faut, nous t'aiderons. Il y a beaucoup de R dans cette histoire. C'est le R du futur, Lily. Et regarde bien la fin de la terminaison. Je regarderai, tu regarderas, elle regardera, nous regarderons, vous regarderez, ils regarderont. Oh ! Il y a un R à chaque personne. Et derrière le R, ça fait penser aux terminaisons du verbe avoir au présent. Bien observé, Lily. Au futur, tous les verbes ont des terminaisons identiques. Ré, ra, ra, rond, ré, rond. Arrêtez de vous disputer. Si vous ne trouvez pas de solution, ce sera compliqué pour tous les deux. Vous n'irez nulle part. Bravo, ma Lily. Ce sera, c'est le futur du verbe être. Et vous irez, celui du verbe aller. Et tu les as conjugués en parlant, tout simplement. Oh. Ne t'inquiète pas, Alice. Tu reprendras bientôt ta taille et Jules reprendra la sienne aussi. Ah, tu reprendras, elle reprendra. Ça se prononce pareil. Mais est-ce que ça s'écrit de la même manière? Le pronom, Lily. Pense au pronom. Au futur, la terminaison avec « tu » est « r-a-s » et avec « il » ou « elle » « r-a ». Bien joué, Lily. Jules et Alice trouveront bien une solution. Tous ensemble, nous trouverons. Ça se prononce encore de la même façon. Mais en trouvant le pronom, c'est facile de bien orthographier la terminaison du verbe. Au futur, avec « nous », c'est « r-o-n-s » et avec « il », « r-o-n-t ». Parfait, cosmonaute. Mission accomplie. Vous voilà prêt à partir. Je crois que vous partirez un peu plus tard.